Alors on demande de calculer ici, enfin de résoudre l'équation suivante, z carré plus zi est égal à 2z, 17 plus 17i. Alors pour ça je vais écrire z carré plus z, alors je vais mettre 1 moins i moins 2 est égal à, enfin plus 17 plus 17i égale 0. Donc il faut faire moins 2z. Donc c'est i moins 2. Voilà, c'est une équation de second degré avec le a qui vaut 1, coefficient qui vaut 1. Voilà, donc je vais chercher le delta. Alors le delta, il vaut b carré moins 4 fois a fois c. Alors 7 fois 4, 28, report de 2, moins 68, moins 4i, moins 60i, 60i. Un 72i, je l'ai. Par contre, je n'ai pas le 71. Pourquoi? Oui, parce que 3 moins 68, c'est 65. Oui, bien sûr, c'est là que je me trompe. C'est pas 1 moins 2. C'est i moins 2. I moins 2. Ah, ça c'est bon. Donc ce que j'avais écrit était bon. C'est juste l'encodage ici qui était mauvais. Donc ça donne moins 65 moins 72i. Alors, il faut chercher les racines carrées. Alors, je vais pas le mettre avec. Je peux le mettre avec la formule, hein. Moins 65, moins 72.
Voilà, le B ici, il est négatif, ça veut dire que on aura des solutions qui seront opposées. Alors, ce sera racine carrée, le x, la partie réelle, qui est x, et puis on aura la partie imaginaire, qui est z. Alors là, ce sera a plus le module de z sur 2, moins a plus le module de z, tout sur 2. Alors, comme je vous dis, s'opposer, s'il y en a une et plus, je prendrai l'autre moins, plus, moins, mais celui-ci, si je le prends moins, l'autre sera plus. Et donc, et je formerai RZ plus imaginaire de Z fois I. Et ça sera. Ce sera, je veux dire, les racines carrées. Et puis, je trouverai la solution par après. Donc, bon, mais moi, je peux pas calculer, je peux le calculer de cette façon-là. Et puis, d'une autre façon. Alors le A, on aura 65 alors le module c'est 65 au carré plus 72 au carré tout sur 2 racine carrée et l'autre on aura moins 65 plus le module le tout sur 2. Là on aura la partie réelle et la partie imaginaire. Alors, par exemple celui-là avec un plus, celui-là avec un moins. Bon, on va calculer ça tout de suite. Tout d'abord, je vais d'abord le calculer par géodésique. Hein. Voilà. Alors, je vais aller chercher racine carrée. Donc la réponse est 4 moins 9i et si vous voulez c'est moins 4 plus 9i, c'est l'opposé aussi. C'est les deux racines, elles sont là. Bon, maintenant je vais essayer de les rechercher. SQRT 2. Donc on a 65 plus le module 2z1. Tout sur 2. Voilà, donc ça c'est la partie imaginaire et la partie réelle. Il suffit de mettre. Bon, ou alors je vais mettre ici la partie réelle. Voilà, la partie réelle c'est 4. Donc, vous voyez que, et comme elles sont en opposition, on aura 4 moins 9i. 4 moins 9i. Et l'autre c'est moins 4 plus 9i. Enfin, en opposition, c'est partie réelle opposée et partie imaginaire opposée. Donc, quand on a 4, on a moins 4 pour le réel. Quand on a moins 9, on a plus 9 pour l'imaginaire. Alors maintenant, je calcule autrement. Bien sûr, je vais calculer par la méthode classique. Alors j'aurais pu le faire avec voilà, 6. 6, bon. Racine carrée calculée avec 6 cosinus i j sinus phi par la forme trigonométrique. Je pourrais calculer racine carrée par la forme trigonométrique. Bon, ici, je vais calculer par la forme algébrique. Moins 65, moins 72.
Bon, je vais les additionner. Bon, je vais d'abord mettre celui-ci au carré. Attention qu'ici, c'est 2xy. Avec ça, je récupère le module. Voilà, ça c'est le module. Donc je reprends les équations. X carré moins y carré égale à moins 65, 2xy est égal à moins 72, et x carré plus y carré est égal à 65 au carré plus 72 au carré racine carrée. Là, je peux résoudre. Alors, si j'additionne la 1 et la 3, on a 2x carré est égal à moins 65 plus racine carrée de 65 au carré plus 72 au carré. Hein? Donc le x carré vaudra moins 65 plus le module. Vous voyez, vous reconnaissez la formule. Hein? C'est z plus a. Z, ça sera z plus a. Donc je vais récupérer x égale plus ou moins racine carrée de moins 65 plus le module. Racine carrée de 65 au carré plus 72 au carré, le tout sur 2. Et y, ça va être la même chose. Voilà. On aura juste ici 65 plus racine carrée du module 65 au carré plus 72 au carré, le tout sur 2. Alors maintenant, il faut étudier le 2xy. Le 2, il est positif. Mais l'xy est négatif, ça veut dire qu'ils sont deux signes contraires. Donc on va avoir un plus et un moins. Voilà. On va avoir un moins et un plus. Voilà. Et donc on aura x moins x plus yj et x moins yj sont les solutions. Bon, ils ont été trouvés. Elles ont été trouvées. Voilà, c'est ça.
Alors maintenant, ça c'est le delta. Bon, je vais chercher le moins b. L'opposé de b, c'est bon, b, je vous rappelle que c'est 1 moins i moins 2. L'opposé, c'est b carré. On va faire b carré. I moins 2 carré. Ah non, ça j'ai déjà fait, je m'excuse, j'ai déjà fait. Je vais faire moins b plus racine delta sur 2a. Alors le a il vaut 1, puisque c'est 1x carré. Donc moins b, c'est l'opposé de i moins 2, c'est 2 moins i. 2 moins i plus la première racine carrée qui est z4. Et le tout divisé par 2a et 2a vaut 1, donc il suffit de diviser par 2. Oui, attention que l'autre, c'est pas ça. Ce sera non pas z. C'est z3. Voilà, donc les réponses seraient ceci. Alors maintenant, je vais les tester. A 2z6. Là, ça fait bien ça. Et A 2z7. Fait bien 0. Donc voilà, les racines c'est z6 et z7. Donc c'est 3 moins 5i. Et moins 1 plus 4i. Moins 1 plus 4i, je vais mettre un vecteur pour lui montrer où il est, vecteur image. Moins 1 plus 4i, il est là. C'est la première racine. Et la seconde, c'est 3 moins 5i. C'est celui-là. Ce sont les deux racines. Z6 et Z7. Je vous remercie.